Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico en vidéo. Nous voici sur l'épisode 8 de la vie de François Hollande en Sims, je précise. Alors sans plus tarder, la vie va reprendre sous vos yeux. Hop, donc là nous avons un François Hollande heureux. Ah ça c'est bon ça. Donc là, il va nous chercher les pièces. Oula. Voilà, je peux qu'il le suive. Ah, c'est le gamin, ok. Et là la dalle, donc là il va nous ouvrir ça. Je vais prendre un morceau. Hop. Et après, il va nous faire du travail supplémentaire. Flamby, il va nous jeter ça. Alors. Il aura pour objectif, il va essayer de proc à nouveau. Parce que là, c'est pas normal. Il a pas assez proc. De quoi il aurait besoin? Il a besoin de pas grand chose. Par contre, ses objectifs de travail. Donc ça, il a accompli, il a rempli des rapports. Atteindre le niveau 2 de la compétence logique. Alors là le souci c'est que pour avoir la compétence logique, il faudrait avoir au moins un jeu soit... Attends, est-ce que là dedans il peut avoir la compétence logique? Alors là ça par contre c'est la merde. Plus de choix. Un avis, pour la compétence logique, le truc par excellence, c'est le jeu d'échecs. Bah là, il va devoir en acheter. Il va devoir en acheter un. Et d'ailleurs, par la même occasion, je vais voir si il est possible d'agrandir ce mur-là. Ça coûterait combien ? D'abord celui-là, je pense que ça coûterait moins cher. Ouais. Voilà. Et celui-là. Voilà. Et ça coûtera pas excessivement cher. Voilà. L'ordinateur, je vais plus le mettre dans le coin. Voilà. Et je vais essayer d'y mettre un peu de logique dans tout ça. Alors. Alors, non, là, c'est les pièces déjà faites. Là, non, ça c'est pas les jeux, ça pourrait être quoi? Alors, où sont les objets de logique? Alors, donc là, il y a enfant, déclorage, surface, confort, activité, compétence, voilà. Amélioration, divertissement 5, globalement c'est la même chose. On va le prendre en noir, ça va être un peu plus style. Voilà. On va essayer de le caler. Non, pas derrière parce que ce sera pas possible. À moins que je pousse les murs. Allez, c'est ce que je vais faire. Allez. Voilà, donc là ça nous fait une salle un peu plus grande. Non, je vais pas supprimer l'étage. Alors ça nous fait une salle un peu plus grande qui va peut-être nous permettre de faire des choses bien. Il nous faut des chaises. Oh putain, j'ai plus de sous déjà, c'est le bordel. C'est juste vraiment, c'est pas possible. Il nous faut des chaises. Alors on aura plus ça dans un salon, des chaises. On va prendre des... Non, pas des chaises de fée, on va prendre... Des chaises noires, ça va être plus joli. Hop, une là. Ok, ça, on va le foutre contre le mur. Ça ira très bien. Ok, donc là, on n'a plus de sous. Comme à notre habitude, bah, on est aussi fauché que les blés. Donc là, notre flambie. Bon, là, il discute avec son fils. Est-ce qu'au niveau social, c'est bon? Il en a pas besoin. Il va aller. Il va les jouer, allez, tout simplement. Son gamin, dès qu'il aura fini, il va se concentrer sur les devoirs. Alors, est-ce que les pecs ça pousse? Parce qu'il a, il a commencé un peu la muscu, l'enfant. Hop. Alors, c'est où qu'on voit? C'est faculté motrice 3. Bon, social 7. Bon, il est plus social. Bon, ouais. De toute façon, il lui faudra du social et de la faculté motrice. Ah.
Et après, tu iras nettoyer ça et nettoyer ça. Voilà. Et il aura besoin de jouer, de rejoindre la partie après. Allez, on avance un peu. Alors, les objectifs de Flamby. De toute façon, là c'est clair, il n'y a pas à chier. Trop d'assiettes. Bah, surcharge de lave-vaisselle, on s'en fout. Voilà, donc là. Wow, maman a de la chance. Mais surchargé de lave-vaisselle a fonctionné. Les assiettes sont propres. Voilà, très bien. Voilà. Alors, maman. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, eh ben. Elle va étudier les grands chefs. Voilà. Alors, le Flamby. Alors là, le gamin, ok. Donc là, il a terminé ses compétences. Donc là, en même temps, y a du social qui se crée. Alors, vas-y, imite ton patron, amuse-toi. Vas-y, complimente-le sincèrement. Ah. Comment faire à la fois du social et du divertissement. Donc là, Flamby, il nous a gagné une deux compétences. Ok, bah très bien. Bon, là, je vois qu'il est fatigué. Donc, sans plus tarder, on va pas attendre. Il est 21h. Il travaille dans 13h. Donc, oui, effectivement, il va aller dormir. Voilà, je suis vraiment désolé. Le gamin, il va aussi... Bon, là, il est en train de se divertir. Il a aussi monté son social. Moi, je dis, vu l'heure, il faut qu'il fasse dodo. Voilà. Allez. On va attendre que maman revienne. Hop. Alors, maman. Ah, elle est exténuée. Ah! Maman est exténuée, elle a besoin de faire le poupou, voilà, elle va utiliser, et après, elle ira s'asseoir là, voilà, Flamby il va aussi s'asseoir là. Allez, viens là. Voilà. Donc là, très bien. Ah mince, Flamby, il a envie de faire pipi. Alors, il va essayer de lui proposer. Pourquoi en amour plus de choix? Essayer de flirter. Ah non, il est morose. Ça passera pas. Ah si, ça passe. Ah, une histoire délicieuse. Bon, faut qu'il nous fasse un petit pipi. Et après, il reprendra la drague intensive. Allez, allez. Allez, allez. Va nous faire un petit pipi. Une fois qu'il a fini, il va essayer de nous proc quelque chose. Parce que le but, c'est de proc. Non. Oh là 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 là, elle nous fait un dodo, c'est pas possible. Oh. Non. Alors, elle va discuter un peu. Parce que là, il faut proc. Essayez de faire un bébé, voilà. Ah. Voilà, c'est parfait ça. Bon, avec un peu de chance, il y aura procréation. Bon. Alors, lui il a fini de dormir. Non, il va continuer à dormir. Voilà. Il est heureux. Elle est claquée. Bon, on avance un peu. Voilà. Donc, on espère qu'il y aura, il y aura fécondation. Parce que bon, là, ça craint quand même un peu. Bon. Ah, d'accord, le gamin, il s'est réveillé. Donc là, le gamin, il a la dalle. Prend une portion, très bien. Oh, putain, le gamin, sans que je lui dise, il fait. Donc après, il ira aux toilettes. Normalement, si je fais ça, ça va
Non, c'est bon, ça coupe pas ce qu'il va faire. Si, malheureusement, ça coupe ce qu'il va faire en fait. Tu vas manger. Vas-y, mange. Et ensuite, après, il utilisera. Il ira prendre une douche. Et une... Non, il ira prendre une douche méditative. Voilà. Et oui, il faut que notre Thibaut des Bois, eh ben, il nous fasse quelque chose de bien. Donc là, il va. Appelé par l'appel de son ventre, il va prendre un morceau. Voilà. Là, c'est dormi. Voilà. Reba. Alors là, maman, bah là, elle fait dodo. Donc là, le papa, il est extrêmement heureux. Il a eu le droit à sa procréation. Il va falloir que je sépare quand même les toilettes avec la salle de bain parce que là, c'est pas possible. C'est juste. Pas possible. La baignoire, de toute façon, ça fera l'objet d'une autre pièce. Mais là, pour le moment, il n'y a plus de soute. Il n'y a plus de soute du tout. On est dans une merde incommensurable. Bon, le gamin, qu'est-ce qu'il a? Allez. Il va à l'école dans une heure. Bon, il a pas besoin de ça. Il a assez mangé, il a assez parlé. Allez, va aux toilettes. Voilà. Et ensuite, il aura besoin de faire de l'exercice, des abdos, des pompes. Et il va se tirer. Voilà. Et papa, il va se laver, il va même prendre une douche en buée, voilà. Ah, il va prendre une douche en buée, parce qu'il va bientôt, il va pas tarder, il va dans 2 heures. Là, le fils du soleil, il est énergisé, il va nous faire des trucs de malade. Là, maman. Elle a une vieille dalle, qui est juste, qui doit un peu l'empêcher de dormir, donc là, elle va manger un petit bout. Allez, et après, elle ira dormir. Allez. Donc là, le papa. Donc là, il profite d'une bonne douche. Le gamin. Il part à l'école. Très bien. Oulala, il est vénère. Lui. Allez. Bon, voilà, notre flambi. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il ne va pas tarder à partir dans 40 minutes. Est-ce que là, il peut déjà aller? Non, il va pas commencer le travail. À la limite, il va faire quoi? Il va l'embrasser. Ah, c'est beau ça. Ou pas. Bon, il a la dalle. Donc là, il a mangé le gâteau. Voilà. Et ensuite, il ira au travail. Voilà, tout simplement. Donc là, la mère, elle a rien mangé en fait. En fait. Oh, warm time. D'accord, en fait, il y a des cons juste devant qui parlent. C'est qui ça? Putain, c'est, on dirait le frère de François Hollande, c'est Julien Fontaine. Et en plus, il marche comme un. Voilà. Hop, donc là, il va nous nettoyer ça. Allez. Donc là, il est enjôleur, il est chaud comme la braise, et là, il va partir au travail. Au travail. Allez, va au travail. Allez. Donc là, il est habillé comme un gros clampin et il part travailler. Donc ça, c'est notre flambi des bois. Voilà. Allez. Il est content. Alors, on va se concentrer maintenant sur la maman. Souhaite venir passer du temps. Bah non. Allez, dégage. Allez, hop. On avance. Faut qu'elle dorme. Elle a assez dormi. De quoi elle aurait besoin? Elle a besoin de manger. Hop. Même ce qu'elle va faire d'abord, c'est elle va enlever la nourriture gâtée. Ah, maintenant, elle va nous manger. Elle va nous prendre une portion.
Normalement, elle a pas préparé ses plats de la journée. Donc, faudrait qu'elle nous fasse la cuisine, mais le souci, c'est que maintenant je sais comment éteindre un feu sans trop de soucis, mais. C'était moins une la dernière fois, donc elle va faire des portions individuelles parce que ça coûte un peu cher. Elle va nous faire aussi pareil, portions individuelles. Elle va nous faire du gâteau, cuisiner. D'accord, c'est drôle. Allez. D'ailleurs, il va falloir qu'il s'achète quand même pour faire du sport parce que là, c'est un peu la merde. Hop. Donc là, j'avance un peu cette partie chiante. Le but étant que, voilà, bah. Et bah, ça évolue en bien. Hop. Donc là, elle nous fait sa salade. Allez, mal. D'accord, elle a envie de faire le. Donc là, elle va nous ranger ça. Elle va nous ranger ça. Hop, boum. Allez. Je sais pas si elle a fait 50%. Hop. D'accord. Alors là, nous avons le Thibaut des Bois qui n'a pas fait ses devoirs. Il se fait chier un peu. Et il va jouer aux échecs. C'est génial. Il va ranger, elle va ranger. Faut qu'elle aille urgemment aux toilettes et qu'elle fasse un test de grossesse. Allez. Allez, allez. Donc là, nous avons le Thibaut qui a besoin de jouer. Va jouer, va jouer, va jouer, va jouer. Va jouer, va jouer à vivre les Sims. Voilà. Voilà, allez. Donc là, elle va savoir si elle est enceinte ou pas. Parce que le but étant de procréer du youtubeur. Ah. Alors, félicitations, maman est enceinte. C'est beau ça. C'est beau. Voilà. Notre Flambie a réussi à procréer. Et là, dans cette chose qui est maman InShape, il y a un autre enfant. Qui sera cet enfant? Sera-t-il youtubeur? Nous serons ça pour les prochains épisodes. Donc là, pour celui-là, et bah, c'est fini. Voilà, donc c'est parfait. On finit sur un test de grossesse positif. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous, bisous.